Cette vidéo, je la fais à partir d'une montagne à Salt Lake City. Ça se trouve dans l'état de what state it is? Utah. Utah. C'est fait dans l'état, enfin c'est dans l'état de Utah. Il y a beaucoup de Mormons ici. Je suis venu là en fait pour rencontrer une amie d'Empower Network, et on passe quelques jours ensemble ici. Et là, elle m'a emmené visiter un petit peu. On est parti faire un tour dans la montagne. Et en fait, on s'est retrouvé ici dans ce bel endroit où règne en fait une paix absolue. Vraiment, de temps en temps, il y a un peu de vent, mais on ressent la paix, vraiment une paix énorme, quoi. Enfin, une paix profonde. Et je prends en fait ce petit moment pour vous parler en fait de ces états, de ces expériences qu'on peut faire. Parce qu'en fait, la plupart des gens sont pris par cette vie très active tous les jours, métro, boulot, dodo ou autre chose. Ils sont tout le temps occupés. Et je crois que c'est vraiment important en fait de prendre un moment pour vous relaxer, pour partir dans la nature, partir faire une petite retraite ou prendre même une après-midi en fait pour vous reconnecter, pour vous faire inspirer en fait, pour être inspiré par la nature. Et là vraiment en fait c'est un silence vraiment vraiment super. Et j'ai envie de vous communiquer ça en fait. Voilà en fait où je suis. Je me promène en fait dans la nature et je profite de tous ces moments exceptionnels qui sont d'une richesse en fait. Même dans le silence en fait, il y a une richesse. Cette nature, ces grosses pierres là que vous voyez en fait de granit qui ont été un peu arrachées à la montagne par des pionniers du 19e siècle. Ici règne en fait vraiment une paix presque absolue. Et c'est vraiment important en fait de prendre le moment, de prendre le temps pour partir dans la nature, un petit peu comme je le fais en fait je le fais aussi sur l'île où j'habite au Venezuela. Mais en fait, c'est quelque chose qui est important de faire, peu importe où vous viviez, vous avez toujours un coin de nature, un endroit sympa, que ce soit à la montagne, à la mer, à côté d'un lac, une forêt, n'importe quoi. Une communion avec la nature est régulière et importante en fait. Ça va vous apporter, ça apporte en fait une. Voilà, en fait, c'est comme si en fait vous étiez une coupe et vous étiez rempli de ce chaos, de ce brouhaha, de la vie quotidienne, de la vie sociale, des autres personnes, de votre famille, de vos amis. Et de temps en temps, en fait, vous avez besoin de tout simplement en fait de vider cette coupe pour vous ressourcer à nouveau. Et le meilleur moyen, c'est d'aller dans la nature, d'aller à la montagne, en forêt ou voilà, peu importe où est-ce que vous allez, mais vraiment dans la nature, je crois que c'est important. Et ça va vous permettre de vider cette coupe et de pouvoir la remplir avec de nouvelles choses et de pouvoir laisser de nouvelles choses venir dans votre vie. Moi, en fait, depuis que j'ai rejoint en fait ce Empower Network, c'est quelque chose que il y avait des choses que je faisais avant, mais ça m'a vraiment permis de me focaliser, d'utiliser en fait cette énergie pour communiquer avec les autres. Avant, je voulais commencer à faire des vidéos depuis longtemps, mais j'ai commencé à faire des vidéos vraiment avec Empower Network. Donc ça aide à structurer votre pensée, à vous focaliser sur vos objectifs, à aider d'autres personnes, parce que c'est ce dont il s'agit dans Empower Network, puisque à travers ce système, vous allez aider d'autres personnes. Et voilà, donc ce que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de prendre le temps de vider votre coupe. Vous avez cette coupe en vous, on l'a tous, remplie de plein de choses, et de temps en temps, il faut la vider, tout simplement. Donc prenez, moi aujourd'hui, je vous recommande, je vous inspire à prendre un moment dans la nature et à vider votre coupe intérieure, si je puis l'appeler comme ça. Voilà, donc je suis vraiment super content de cet endroit qui est très inspirant, qui me pousse à faire des vidéos même différentes et aussi le fait d'être avec mon amie Nina, elle m'inspire aussi à faire des vidéos différentes
Et c'est vraiment, vraiment en fait là, ce partage, c'est vraiment, se fait vraiment avec de la joie et ces différences permettent de colorer un petit peu plus sa vie, ces vidéos que je fais. Voilà, donc je vous envoie en fait ce message de paix en fait et de tranquillité de cet endroit ici sur une montagne qui se trouve donc à côté de Salt Lake City, dans l'Utah, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. Voilà, et je suis vraiment, vraiment en fait content comment dire, je remercie en fait de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Je suis vraiment, vraiment heureux, vraiment heureux. Voilà, donc je suis dans un état de gratitude, si je peux dire. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Message de paix, message de vider votre coupe régulièrement et votre vie en fait va aller de l'avant, va aller plus loin. Vous allez découvrir votre potentiel, découvrir les choses que vous avez en vous. Voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, probablement dans le coin ici, dans l'état de l'Utah, et je continue mon aventure. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.